Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier parcours de Vetopo. On va rouler sur Janas avec vue sur la mer et tout, vous allez voir, c'est trop, ça va être super beau. On attend les copains, on est parti super tôt, départ pour 7h. Voilà, allez, à tout de suite en vidéo. Allez, on est parti tranquillou, ouais. Sur les terres de Janas avec Alain, Christophe. David. On est à la fraîche, il fait bon, au top. Et ben ça monte, ça monte, ça monte. Et ben, truc de partir à 7h, c'est loupé, il fait déjà super chaud. Aïe aïe aïe. Enfin c'est pas grave, on va faire une bonne sortie. Si le dos tient, parce que ça pique au niveau du dos, j'ai vraiment mal. Après deux bornes, on en est déjà là. Ah ouais, quand même. Ça descend. Vite, mais ça descend. C'est technique, les amis. C'est technique et puis c'est raide surtout. Ah, j'ai un peu le dos qui ramasse là. Mais ça va, ça se fait. J'espère qu'il y en aura des plus clémentes pour se reposer un peu de le dos. Non, tant pis. Bon, mais... C'est reparti pour une petite montée, on s'est régalé dans la première descente. Ouais, très bien. Bien technique. Un peu c'est, puissant, pas... Ouais. Bien. C'est pas les descentes où on prend le plus de vitesse, mais on se fait plaisir quand même, hein, voilà. En technicité dedans. Et, principal, c'est et plaisir, puis en plus, on connaissait pas, donc cerise sur le gâteau, au top. Et on a la mer des deux côtés à 360 degrés. C'est magnifique. Ouf, que du vent dans le cochon. Youhou. Oh là 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 là! La préparation, n'oublie pas, sur la fourche, franchement, un palais. Je retrouve un petit peu ma pike qui m'avait préparé avec une super sensibilité au départ. Génial, génial! Ça sent bon, ça sent bon! Yépa! C'est ça que c'est bon! Ulala! Et on n'y échappera pas. On va se faire l'ascension de Notre-Dame du Mai. Pour ceux qui la connaissent, celle-là elle pique un peu quand même. Ouh. Quand on a de la chance, c'est à l'ombre. Allez, on se retrouve en haut avec une vue magnifique. Allez, petite pause au milieu de la montée pour vous faire partager déjà ça encore une fois. Pas, pas, pas. Fini, comme je vous avais dit, on va jusqu'à Notre-Dame du Mai. C'est là-haut qu'on va. Ouh. Il va y avoir
Je t'avais dit que ça piquerait, ça pique. Allez les amis, vous avez promis quelque chose de grandiose. On y est. Ah, monte le maillot. Non, c'est le maillot, je t'ai dit que c'est le maillot. Il a des formes, ouais. Maillot. Je pense qu'on doit pas être loin. Ah ouais, je m'en souviens de celle-là. Ouh. Oh. Non, ça va. Mais ça passe. Vidéo là. Pas être possible de tout mettre, hein. Faut attendre là. Bon, on s'est régalé sur cette descente, encore une belle descente. Ouais, ouais. Super technique, mais à l'arrivée, ouais. Même si, en gardant une faible vitesse, tout se passait sur le vélo. Ouais. Bon, voilà. Si Alain a tout passé, c'est ça se passait. Bon, ben on a de la chance, hein, David, ça aurait pu monter. Hein, hein. Ça aurait pu monter un peu. Ouais. Ça manque un peu de dénivelé. Ouais, c'est vrai que. C'est un peu dur. On vient de se taper ce coup de pétard là, sans déconner. En plus, c'est où on était juste avant la descente d'avant, donc on aurait pu ne pas prendre la descente d'avant. Je l'avais dit, 23 mètres après. On était tranquille quoi. Enfin, quand on aime, on compte pas. Hein. Profitez-en pour regarder la vue. Moi, je regarde parcours et faites-vous plaisir. Hein. Aïe! Putain, ça manque de sécateur tout ça. Oh! Le dos, les enfants. J'essaye de prendre le plus facile. Et lui qui fait secouer le moins de possible. Ah. Piouf. Qu'est-ce qu'il y a ? Alain qui est tombé, mais ça va, il s'est pas fait mal. Ouais, tu m'étonnes aussi là-dedans. Ouf! Faut faire extrêmement gaffe. Ah! Il y a David aussi! Et qu'est-ce que tu fais? Attends, il y a David, il est tombé là! Pour regarder le mécanisme, ça va. Bon, on essaye de bien se cramponner au guidon. Il reste plus que Christophe et moi sur le VTT. Deux chutes. Ça envoie du patèche comme descente, comme qui dirait l'autre. Ouh.
Et c'est là que tu remercies Max de Novipar pour t'avoir fait une fourche aux petits oignons. Merci Max. On dit merci qui? Merci Michel. Merci Max. Ah bon Max? Eh oui. Ouh là là, un petit single à flanc de coteau. Comme je les aime pas trop. J'aime pas trop quand il y a le vide à côté, mais encore celui-là ça va. On est loin, mais pas trop près. Et ça descend pas trop là. Ça baladouille. Putain. Ouais, c'est là, c'est toujours là. Allez, après cette belle descente, c'est reparti pour une petite remontée avec une vue sur le côté encore magnifique. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de voir tout ça. La préparation sur la fourche au top. Je retrouve de bonnes sensations en pilotage. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, je vais vous expliquer, mais le truc que je vous conseille lors de vos premières révisions, si vous pouvez, ça ne coûte guère plus cher, vous faites faire une préparation chez Novipar et je vous garantis que vous allez avoir le comportement du vélo qui va changer du tout au tout. Ah, c'est reparti pour un petit tronçon de descente. Ah, non, ouais. C'est devant, c'était. Ah, pour finir. Ah, je sais pas, on en est où? Ah, oui, je connais ça. J'ai pris une fois ça. Allez, le saut. Wow. Ah, c'est celui-là. Et vu, j'essaye de m'envoyer. Ouh ! Pourtant les sauts, c'est pas mon truc. Bon ben voilà, avec cette belle descente pour clôturer tout ça, on a fini, on se rend tranquillou aux voitures. Un bon petit tour. Bon ben voilà, dernière sortie Vetopo dans le programme Follow the World. Terminé, un super parcours. Comme, hein, manque un peu de dénivelé. Un petit peu de technique, ouais, aussi, c'était un petit peu plat. Ouais, ça va. Enfin, ça a été un final du programme en apothéose, je trouve, un vrai régal. Et des paysages, bon, magnifiques. Et voilà, avec tout ça sur vue mer, et un régal. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Allez, ciao tout le monde, et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Ciao.